Est-ce que il y a une phase entre ce passage pranique pour les personnes qui souhaitent devenir pranique? Tu parlais du forcing, c'est vrai qu'il ne faut pas forcer. Mais si les personnes veulent essayer d'expérimenter, de voir, peut-être de s'approcher de cet état pranique, je suppose que lors, par exemple, de testage, il y a un certain protocole, une manière de faire et qu'on peut y accéder. Alors, peux-tu nous dire s'il y a des contre-indications à suivre un stage d'accompagnement au prana ou pas? Alors, dans l'absolu, tout le monde peut faire, mais ce n'est qu'un absolu. Nous sommes dans un monde relatif, avec des consciences relatives et surtout des états de santé relatifs. Ce qui veut dire que, me concernant, ça n'engagera pas forcément tous les accompagnants prana, mais me concernant, je n'inclus pas dans mes effectifs les enfants qui sont en croissance, les femmes enceintes, quand les personnes sont en état général. Dégradé, en altération de l'état général trop dégradé, parce que j'ai des personnes qui viennent avec des cancers, mais ils sont en cancer suivi, médicalement traité, et que le médecin valide que la pause alimentaire ne va pas le dégrader encore plus. Donc j'ai, mais les personnes qui sont avec des maladies importantes, un état de santé très abîmé, je ne le prends pas, puisque je ne suis pas une structure thérapeutique destinée à des malades. Mais j'accueille du grand public qui est censé être en à peu près santé satisfaisante. Je n'accueille pas dans mes effectifs des personnes avec des fragilités, des instabilités psychologiques, des gens qui sont avec des antécédents psychiatriques, des antécédents dépressifs. C'est très délicat, puisque l'alimentation, c'est beaucoup une béquille chez tout le monde, chez le dépressif aussi. Donc, c'est pas toujours très porteur. L'expérience a montré que une personne, homme-femme, c'est souvent les femmes, dépressives, même avec des antécédents qui ne sont plus forcément d'actualité, il reste un terrain et prédispose à déséquilibrer émotionnellement quand la pause alimentaire est prolongée. On voit ça dans les sevrages tabac. Hein. Un sevrage tabac, c'est 25% d'épisodes dépressifs réactionnels. Donc il faut être délicat avec tout ça. D'accord, parce qu'on parlait de stress tout à l'heure, et c'est vrai que le jeûne, si je reprends le jeûne, je sais bien qu'il y a une grosse différence entre un jeûne classique et le pranisme, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement, le jeûne, on est sur une pause alimentaire et on n'est pas forcément dans un état de conscience comme dans le pranisme. Voilà, entre guillemets, tout le monde peut faire une pause alimentaire avec un peu de volonté, on va dire ça comme ça. Mais voilà, par rapport à ça, quand le jeûne étant un stress, pour accéder à cet état pranique des personnes pour qui ce n'est pas spontané, mais qui désirent arriver à pouvoir justement manger de moins en moins, etc., est-ce que le stress physiologique qui est engendré par cette pause alimentaire, puisqu'il y a quand même un stress physiologique à ce niveau-là, le corps ne comprend pas nécessairement ce qui se passe, est-ce que quelque part ça peut être fort risqué et avoir comme un effet rebond ou un effet de baffe, je veux dire, par après, où on peut avoir des complications ou des choses comme ça? Il n'y a jamais aucune complication à partir du moment où les gens ne forcent rien. D'accord. Et je dis toujours, vous arrivez pour 21 jours en pause alimentaire pranique, en résidentiel, vous pouvez rester 7 jours, vous pouvez rester 14 jours et vous pouvez partir n'importe quel jour. Vous partez. Quand le corps l'a décidé, il n'est pas question de forcer quoi que ce soit. C'est pas parce que le prix Nobel de médecine d'octobre 2016 a validé que le jeûne était bon pour la santé qu'il faut se mettre à jeûner du jour au lendemain. J'ai une amie qui me téléphone et qui me dit oh, j'avais décidé de faire 5 jours de jeûne, elle qui ne jeûne jamais. Et alors je lui posais la question, mais je riais déjà avant même d'entendre la réponse. Enfin, je riais intérieurement. Elle me dit, bah, j'ai craqué au bout de 3 jours. Alors, bah, explique-moi. Ben, ça allait, ça allait, ça allait, 2 jours. Depuis 3 jours, je me suis écroulé, j'en pouvais plus, il fallait que je mange. En plus, c'était le week-end, il y avait la famille. Elles sont des bons mangeurs, et puis surtout, elles ne jeûnent jamais. Et donc, quand les gens décident avec leur tête, c'est pas bon. C'est pour ça que il y a des contre-indications à s'engager dans une pause alimentaire, qui plus est dans une pause alimentaire pranique prolongée. J'accompagne de façon standard jusqu'à 21 jours, mais surtout une préparation. Et la préparation, c'est pas pour être pranique, arrêter de manger, mais c'est pour améliorer son hygiène de vie, sa santé, mieux gérer sa névrose, on est tous des gens névrosés, être
mieux dans son corps et mieux dans sa peau. Si ça améliore sa santé, c'est encore mieux. Comment cette préparation classiquement? Privilégier le régime acido-basique, c'est-à-dire le végétal. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que du végétal. Ça veut dire j'écoute mon corps. Si à un moment donné, mon corps me dit il faut manger des algues, les algues, je n'ai jamais mangé d'algues. J'ai un appel terrible pour l'algue. Oui, mais peut-être que la thyroïde est en carence d'iode, donc il faut que tu manges de l'algue. Mais si le mental dit non, non, je ne veux pas de ça. Vous voyez, donc c'est, tu vois, donc j'écoute le corps et je laisse faire. Je me mets à son écoute, chose que nous ne faisons jamais. Tout à fait. Il y a peu de gens qui écoutent leur corps et qui vont au rythme du corps, qui entendent des messages du corps. La personne qui fait son footing tous les jours parce qu'elle a décidé que c'était bien pour elle, ben non, c'est trop. Un footing tous les jours, pour le corps, à un moment donné, il va générer de l'usure, de la tension, des inflammations. À un moment donné, ça va pas suivre. Donc la préparation, c'est une base plus acido-basique, végétale. Végétale, ça veut dire fruits et légumes, oléagineux, fruits secs, légumineuses, cru, cuit, mais là aussi en écoutant le corps, ça veut dire d'écouter sa digestibilité. Si je ne supporte pas le cru, ben je mange cuit. Si je suis à l'aise, je vais privilégier le cru, parce que le cru, il y a plus d'énergie dans le cru que dans le cuit. Et puis, quand on dit cuit, si on peut faire du semi-cuit, aller tuer, préserver les nutriments, c'est encore mieux. Donc, ça ne s'improvise pas, tout ça. Donc, une base végétale, acido-basique, si possible, entraîner la tête et le corps, l'habituer à être en pause alimentaire, donc je préconise toujours, sauf s'il y a des problèmes avec un IMC, indice de masse corporelle, poids taille insuffisant, déséquilibré, avec des pathologies, avec un terrain qui n'est pas favorable, mais la pause alimentaire de 24 heures semaine devrait se vivre chez à peu près tout le monde, sauf qu'en particulier, parce que c'est amener la voiture au garage pour la révision avant qu'elle tombe en panne. Là aussi, qui jeûne régulièrement, voilà. Il y a ça, et puis après, il y a au niveau de la tête, il y a gérer les pensées, les émotions. Alors quand on dit méditer, c'est ne pas trop traîner dans le passé, dans le futur, parce que c'est un générateur de désalignement, de baisser la fréquence vibratoire, de générer du stress, de se mettre en tension. Je vais dans le passé, dans le futur, qui dans l'absolu n'existe pas, hein, au passage, mais je vais dans le passé, dans le futur pour gérer mon agenda, pour me mettre à jour avec mon cahier des charges par rapport à des choses que je n'ai pas réglées le mois dernier, ça me revient aujourd'hui. Mais fondamentalement, nous sommes conçus pour vivre au présent. Plus je vis au présent, plus je lâche ma tête, plus j'écoute mon corps, et plus ça le fait. D'être en meilleure santé, globale, physique, mentale, émotionnelle. Et le prana, c'est une continuité de ça. Ce n'est pas le prana à la place de tout le reste. C'est je gère mon hygiène de vie, je la booste, et le prana est une conséquence possible, mais sans la rechercher. C'est la meilleure façon pour arriver à ça.